Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kioustaz, et bien on dit dans Zonar, bien sûr cette émission qu'on partage avec les artistes, la zone artistique, et un plaisir de recevoir Magic Pinocchio. Yeah. Bonjour Magic. Bonjour Calvin. Voilà, plaisir de te recevoir pour une première pour cette année 2024. Oui, évidemment c'est un grand honneur pour moi d'ailleurs d'être reçu à la maison. Voilà, on dirait que pour toi l'année démarre très bien. Très très bien déjà parce que ouais tout s'annonce très très bien. Voilà, parce qu'il y a un album que tu as sorti. Oui, il y a un album que j'ai sorti le 31 décembre pour finir l'année et pour bien commencer l'autre année. Donc quoi de mieux. Voilà. Et puis des très bonnes nouvelles qui arrivent pour l'année 2024. Donc voilà, La Flamme, cet album qui est déjà disponible. Oui. Sur une plateforme. Non, pas seulement sur une plateforme. Oui, c'est vrai, quand on a lancé sur une seule plateforme de Music Beyond qui est PlayMB. Mmh. Mais après, on a déjà distribué la chanson sur 5 autres plateformes qui sont Tidal, attends, je peux le lire, hein. On ne sait jamais. C'est sur Deezer, Tidal... Pardon, excuse-moi, je dois lire. Okay. Je dois vraiment lire ça. Ouais, il est là. Voilà, c'est déjà distribué sur Boomplayer. Boomplay, ouais. Deezer. Ouais. Tidal. Quoi d'autre? Pardon. Il n'arrive pas. Pourquoi il ouvre pas lui? Vous avez parlé de Spotify. Oui, Spotify. Audiomac, voilà, il y a Spotify, il y a Amazon, il y a Deezer, il y a Tidal, il y a Pandora et Boomplayer. Très bien. Donc l'album déjà disponible un peu partout sur les plateformes de téléchargement légales. Alors, c'est vrai que vous êtes venu avec La Flamme. Oui. Alors qu'on attendait notre album. Africain. Africain. Quand cet album qui n'a jamais vu le jour. Oui. Alors que il paraît que le projet était déjà fini parce que j'avais auditionné 3 ou 4 chansons du projet. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bah, oui, les projets étaient presque à terme. Il était à 95% de finition. Mais après, il s'est passé des choses qu'on ne comprend toujours jamais. Ce qui a fait que voilà, l'album ne sort pas. Il y a eu d'abord des petits problèmes à l'interne avec toute l'équipe, avec toute mon équipe d'accompagnement à cette époque-là, mon équipe managériale. Et il s'est vu une dislocation de toute l'équipe, etc. Puis après, j'ai dû rentrer au studio pour finir les chansons, bien qu'il y a eu ces problèmes-là. On s'est divisé un peu sur base des petites choses. Les studios étaient calcinés quand on n'avait pas encore fini à faire les finitions directes des chansons. Et voilà, c'est pour ça qu'on est resté juste avec des produits pré-master. Ouais. Alors que pour faire le master et le mixage des chansons, il faudrait vraiment des produits, il faudrait des drafts, des bases pour les finir. Donc c'est pour ça que voilà, on n'a jamais fini le projet, mais j'en ai récupéré deux parce que les projets n'étaient pas encore sortis. J'en ai récupéré 2 chansons que j'ai remis et que j'ai réadapté dans le projet La Flamme. Okay. Très bien. Alors cet album est vraiment disponible. Et puis dans Africain, on s'était rendu compte qu'il y avait déjà des morceaux qui marchaient très bien. D'ailleurs, il y a un son, c'est vrai, chaque fois je te dis que c'est ma chanson au coup de cœur, Deep Love, qui avait très bien marché. Oui, merci. Il y avait Africain également. Il y avait Africain, oui. Ouais. Mais que j'avais jamais, que j'avais pas encore lancé. Ça avait juste fuité un peu sur les réseaux. Ouais. Mais après, oui, c'est vrai. Deep Love, Africain. Il y a eu des morceaux comme tout Total Bascule, ouais, qui était dans ces projets-là. Il y avait des très très bons morceaux. Il y avait notamment aussi les morceaux Goto en featuring avec les SLM. Ouais. Il y avait Panafrica, Historia, qui était aussi en featuring avec Manny Martin. Il y avait des gros morceaux dans l'album Africain, mais bon. Est-ce que c'était vraiment facile pour toi de tourner la page
et de te concentrer sur autre chose? Pas vraiment, parce que c'est dur, hein. C'est dur de te concentrer pendant deux années sur un projet, puis finalement que ça ne sorte pas et que ça avorte juste comme ça. Donc voilà, c'était pas très facile, mais après l'arrivée, j'ai vu l'offre de Music Beyond, ça m'a remotivé, ça m'a remis en confiance, parce que je me disais que je devais travailler sur cet album-là qui devra normalement porter un autre nom finalement, parce que je ne pouvais plus reprendre les mêmes chansons, sinon ça serait stagné en quelque sorte. Et puis pendant cette période, vous avez su aussi comment faire patienter oui, les publics. Votre public oui. Avec des sessions live, avec des sons. Oui. D'ailleurs, il y a Zonga qui... Il y a Zonga et Malaika qui sont sortis dans l'intervalle. Qui a très bien marché également. Oui, merci. Ouais. Merci au grand public d'ailleurs qui continue à nous soutenir jusqu'à là. Hein, parce que n'eût été eux, Zonga pourrait être un flop. Voilà, parce que depuis Zonga, tu es devenu les chouchous des Lovers et tout. Ouais. Pourquoi pas. Et donc voilà. Alors là, maintenant, tu reviens avec Flamme. La Flamme. Ouais. La Flamme. La Flamme, oui. Cette Flamme, c'est... Comment est-ce que tu décris cette flamme? La flamme a trois volets. Ouais. Le premier volet pour moi, c'est la flamme, comme la flamme pour réunir les gens. Dans les anciens temps, on essayait de mettre le feu autour du... où les gens... On devrait inviter des gens autour pour discuter de quelque chose. Ça, c'est au village. C'est pour discuter des choses bien, bien délicates, pour l'avancement du village, pour les comportements des gens du village, etc. C'est dans ce premier volet que je vois la flamme comme quelque chose qui réunit des gens autour pour discuter des choses, pour essayer de donner un message positif pour la population, pour le grand public. La flamme, deuxième volet, comme pour réchauffer. Vous avez froid et ça fait longtemps que vous avez besoin d'un réconfort, vous avez besoin d'un réchaud. Vous avez la flamme pour vous mettre autour et vous réchauffer un peu. Donc les gens qui ont traversé des moments très très difficiles dans ce pays, dans cette province, dans cette ville, pourquoi pas dans ces continents. Ouais. Et la flamme a aussi pensé à eux dans des messages très clairs pour essayer de remotiver les gens, de redonner espoir, de redonner une bonne image de notre ville, de notre Afrique, de notre continent, de nous-mêmes. Okay. Puis troisième volet, la flamme comme la flamme d'amour. Flamme d'amour. Voilà. La flamme d'amour. Vous savez ce que c'est. Avec même l'affiche, on se raconte qu'il y a même les cœurs dedans. Ouais, voilà. Les cœurs. L'affiche, déjà, ça nous fait penser directement à l'amour, à la flamme de l'amour. Oui. Est-ce que dans cet album, vous êtes carrément, vous avez pris certains morceaux pour parler de vous, montrer aux gens qui vous êtes réellement? Ou carrément, il y a des morceaux que vous avez composés en vous inspirant de votre vie propre? Oui, hein, oui, il y a des morceaux comme rien que deux hommes où je parle de moi, mais d'une manière universelle. Ouais. Parce que l'artiste ne doit pas se borner aussi. Donc je parle de moi, c'est vrai, j'ai dit, peu importe les niveaux qu'on peut avoir, peu importe la race qu'on peut avoir, peu importe la richesse qu'on peut avoir ou les rangs sociaux, etc. On reste humain, on doit rester humble, on doit rester les pieds posés sur terre, et la tête sur les épaules, parce que ça ne sert à rien de montrer aux gens que voilà, moi je suis les tops des tops, ou bien je suis super important que l'autre. Pourtant, tous, si on s'y reprend, on se reprend par la main, on fait quelque chose. Ouais. C'est parti de ma vie, c'est parti de ce que j'ai vécu pendant des années, que ce soit en famille, que ce soit dans la vie courante. Alors, on va, est-ce qu'on peut écouter certains extraits tellement que voilà, oui. L'album est disponible sur les plateformes de téléchargement. J'aime même pas les droits de mettre l'intégralité, parce que ouais, ça peut être bloqué et tout. Oui. On respecte les droits d'auteur, c'est vraiment important. C'est très important. Alors, nous allons écouter
tout refaire. Qui vous stase radio? Capturerais bien tous ces ici à côté de moi. Ah, si j'avais le secret, le secret de ton amour, je promettrais un trésor sur mon cœur. Fermez tout et j'ai claqué, je n'irai, ne serai jamais. Si j'étais un simple con, je n'ai pas su te donner. Quand je t'aime pierrement, et je veux tout refaire. Je veux tout, je veux te le retirer, chérie. Et je veux tout refaire. Je veux tout, je veux te le retirer, chérie. Et je veux tout refaire. Qu'est-ce que Magic verrait faire dans cette chanson? Là, je parle de ma situation d'amour. Hein. Ouais. C'est une chanson qui est venue quand j'avais gourmand. Mais après, oui, je disais que si c'était vraiment à refaire, je demanderais vraiment que je fasse des choses à nouveau, que je recommence, ouais. Pour que voilà, je sois l'homme idéal. Pour corriger les erreurs. Oui. Oui, c'est exactement ça, pour corriger les erreurs, pour être l'homme idéal que le partenaire ou la partenaire veut avoir. Mmh. Mais après, c'est une situation que tout le monde peut avoir, hein, ouais, dans la vie. Puis voilà. Et voilà, on s'est dit que alors si elle est d'accord avec toi, si elle est d'accord à ce que vous puissiez encore une fois refaire ou comme carrément démarrer une nouvelle vie, facilement on peut se dire que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. L'enfer c'est les autres. On sait la moi obéir à tes ordres. Tu es une femme forte. Tu m'as fait oublier toutes les autres. Dès qu'est tombée la nuit, la meilleure devient parfaite. Chaque jour de ma vie et l'enfer un jour de fête. Oh là, oh là, le fait que tu m'aies fait, je n'ai jamais vu de tel. Oh là, oh là, notre compte est difficile, sera dirigeant modèle. Tout va bien, bien, tout va bien, bien. Tout va bien, bien, tout va bien, bien. Depuis que tu es là, 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 là. En vrai, ça s'explique. Ouais, clairement. Ça s'explique. Et quand tout va bien, on s'est dit qu'on doit vivre avec elle éternellement, ou carrément Milélé. Exact. Quand tout va bien, voilà, on va à l'église, je t'épouse clairement et devant tout le monde, devant l'église, devant les gens, on s'est dit oui et mais voilà. Ça, c'est une suite d'une histoire. C'est une suite logique d'une histoire. On écoute. Emporté par les nuages d'amour. Oui, le cœur a des raisons, que la raison elle-même n'ignore. Près de moi des ailes pour qu'on vole sur Vénus et qu'on vive. Perdu dans un rêve du bonheur, une alliance qui brille à nos doigts. L'anneau d'or qui scelle les serments, un oui pour la vie. Toi et moi sommes aujourd'hui unis pour la vie. Union et d'un amour vrai et sincère. Et la vie elle nous prépare ces jours merveilleux, ces jours de mariage. C'est un pays sans retour pour le pays du bonheur qui dure toujours. Et voilà, et comme c'est une vie éternelle, voilà, facilement on peut inviter alors son partenaire à côté de la flamme, profiter un moment. Oui, profiter de moments, profiter de prier Dieu qui est notre Seigneur, qui est notre tout, voilà. Et voilà. On lui demande la chaleur, on lui demande tout, voilà. Le bonheur. C'est une suite logique. Vraiment. Mais ça devait commencer par Comeback. Ah ouais. Comeback, c'était un peu bien. Comeback avant aussi. Yamwagoye. Ndokusaba.
pas mal de morceaux dans cet album. C'est entre l'amour et la déception. Oui. Ouais, parce qu'il y a quelque part où vous réclamez l'amour. Oui. Vous la demandez à tout refaire. Tout refaire. Après vous la disiez, come back. Reviens vers moi. Oui, reviens vers moi. Et ouais, comme elle revient, je lui disais, bah, voilà, tu m'as beaucoup manqué. Il y a Titi Love qui est là. Puis voilà la succession des chansons qui. Ouais. On écoute un peu Come Back. Hey, hey. Belle, j'ai une confession à faire. Pardonne-moi si je te déplais. C'est dur d'oublier le passé. Je ne me sens pas si bien. Y a ta présence qui me maintient en forme. Oh, oh. I know you ain't gonna like this, 'cause you don't wanna hear me anymore. We don't talk anymore. I know you ain't gonna like this, 'cause you don't wanna hear me anymore. We don't talk anymore. Baby, come back to me. Come and see how I feel. Oh, come on, oh, oh. Et quand elle est là, facilement on peut la chanter à Titi Love, hein? Titi Love. Là, elle me manque. Ouais, quand même. Quelle belle sonorité dans cet album. Quand je t'ai dit, c'est une diversité de sonorités. Je me suis dit que ce serait un vrai. Tu l'as déjà entendu, ouais. Je comprends que tu dis que ça t'effraie. Oui, je sais qu'ils ont promis qu'ils resteront fidèles. Je ne veux pas te faire de promesses. Pour moi, je ne suis pas le monde. Je suis rempli des défauts. Oh, je veux que tu m'aimes pour ça, ouais. M'aimeras-tu pour ça, ouais, ouais. Je remplis des défauts. Je veux que tu m'aimes pour ça, ouais. M'aimeras-tu pour ça, ouais, ouais. A titi love, titi love, yeah. Oh, a titi love, titi love, yeah. Incroyable cet album. Oh, La Flamme de Magic Pinocchio est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Il y a aussi Calculator. Calculator même qui avance très bien. Oui, sur, qui avance très très bien. Un ouais. Très bon feedback de la part du public qui arrive sur l'album. Ouais, donc, ouais. Je suis très heureux que cette c'est quoi la particularité de cette chanson, hein? Calculator. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est différent parce que les gens, je pense qu'ils se sont aussi un peu habitués à m'écouter un peu plus dans l'amour et tout. Ouais. Mais là, calculer, j'ai dit aux gens qu'ils doivent laisser, on doit vraiment laisser aux autres la plénitude de vivre leur vie calmement, okay. Que de fouiner sur la vie des gens, de suivre les gens de près, ceux qui même vous calculent pas, ouais. Alors que vous êtes là en train de calculer, bah, Calvin, il a fait quoi encore, il vit avec qui, il fait quoi dans la vie, etc. Vous fouinez dans la vie des gens, c'est des gens comme ça que j'appelle des calculettes, hein, donc, voilà. Bah, pour calculer, les gens là. Ils sont là pour observer ta vie de près alors que toi tu les calcules pas. Oh. Donc c'est des calculettes. On écoute. Je n'ai pas de problème, c'est mignon et tu y a qui c'est Nico. Kounyama, ça c'est Vibaya. C'est Vibaya. Kougompana, c'est Yodawa. Aïkoda, c'est pas pour les ennemis. Assemblée, mal avec les êtres. Combien de monde a tout souhaité, tout qu'on fait. Tout porter, l'hôtel. L'hôtel, l'hôtel. Cette chanson, Calculeta qui avance très bien. Les amis, l'artiste attend déjà vos challenges sur TikTok. Il a déjà lancé le challenge. Vous avez lancé vous-même les challenges. Ils ont lancé eux-mêmes. Voilà. Moi, je n'avais pas lancé le challenge. Mais tout d'un coup, je vois, pouf, pouf. Dans moins d'une semaine, d'une semaine et demie, j'ai déjà plus de 45 vidéos challenge. C'est énorme pour moi déjà parce que ce n'était pas arrivé avant. Ouais. Donc, je leur demande tout simplement. C'est le pouvoir de la flamme. La flamme. Voilà. Prénom aussi, Table. Comment? Total. Total Bascule. Total Bascule. Total Bascule, voilà. C'est une histoire d'un de mes oncles qui travaillait dans. Une histoire vraie ou une fiction? Une histoire vraie, oui.
une histoire vraie, c'est un oncle qui travaillait dans des mines d'or vers Durba, ouais. Isiro Durba là-bas, qui allait faire ces trafics-là. Et puis après, il avait un de ses meilleurs potes qui était calculette, qui essayait de le voir de loin. Il se disait, ah, mais ces gars ici, ils trouvent de l'or, ils trouvent de l'argent, il a des clients directs, il peut sortir d'ici, il prend de l'or, il les amène là-bas. Mais le jour qu'il est parti, les gars là, ils étaient ensemble, mais après, il était tout le temps au téléphone, mon oncle, il comprenait pas. Pourquoi ce gars, il est tout le temps au téléphone et tout ça. Il essayait de lui demander, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, je parle avec des autres amis qui sont en ville, etc. Moi aussi, je vais faire les trafics d'or, mais maintenant, ils vont me ramener de l'argent, etc. Mais après, sortir juste... Pourtant, les gars, là... Kumbe Alguan Aitaba... Babandi. Alors ils lui ont tout ravi, ils ont pris les trucs et mon oncle était revenu à zéro. C'est pour ça que j'ai dit c'est la totale bascule, parce que c'est tout, vraiment tout change. Ouais, tout change en un seul clin d'œil. Ouais. Et voilà, c'est les genres de personnes qu'il faut éviter dans la vie. Donc c'est aussi en même temps un conseil pour la jeunesse. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Ne calculez pas les autres personnes à côté de vous. Voilà. Dieu veut vous bénir dans votre parcours, partout où vous voulez être. Donc c'est là que Dieu va vous trouver. Ne pensez pas que vous allez gagner quelque chose sur base de ce que vous avez pris de quelqu'un d'autre. Sinon, ça va aussi disparaître. Voilà. Parce que tous ces pays ici-bas, c'est la Bible d'ailleurs qui les dit. C'est vrai. Na pesi pure na ngababa o ya business. Azala ki proche langa, na pesa ki e confiance. Le mec est parti avec tout mon capital pour ne plus revenir. Voilà, na zwa muke na nga, o boto le nga pe ya menye. Anala ki owele la, ma boko na mutu na zangi. Donc quand tout va bascule, quand vous rendez compte que vos amis vous ont fait du mal, vous dites simplement que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Et que Dieu fasse de vous ce qu'il veut. Okay. Je vais recommencer peut-être, parce que de toute façon vous m'avez laissé la vie, donc ouais, je vais continuer ma route. Quand on a perdu un album, on bascule, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On a perdu Africain, voilà qui a la flamme qui arrive. Voilà. Voilà. Il y a aussi RKD. Rien que deux hommes. Rien que deux hommes, c'est oui, ça. Oui, c'est RKDH. Voilà, c'est le son qui parle de vous en vrai. Oui. On écoute. Style, j'ai connu l'amour, mais la haine aussi. Les moments des doutes, parfois d'assurance. J'ai connu la peur, je voudrais même m'enfuir. Pour des petits côtés du bonheur, la confiance m'est conquise. Dans les chagrins, j'ai versé mes larmes. Dans la joie, j'ai perdu mes sacres. Africain qui est revenu. Oui, Africain en fait qui est revenu. Mais le son fait penser à un son d'Eti Darba et Bellamy Paloukou. Quoi, son, rien que des hommes. Rien que des hommes. La sonorité. Oh, nanana, nan, ah oui, cathédrale. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas vu venir. Ça fait penser vraiment à cette chanson qui voilà. Mais d'ailleurs, parmi un les big classiques up. Même de Goma. Un big up à d'Eti Darba et Bellamy, bien sûr. Voilà. Voilà. Alors finissons alors avec Africain. Africain. So
chanson, retravaillé. Vous avez changé, on a travaillé sur la chanson, on a retravaillé à la 2023, à la 2024. Ouais. Pour essayer de mettre les deux sur le côté. Il y avait une dédicace à DJ Damas. Ouais, DJ Damas, Père Son Âme, Patrick Colombe, etc. Mais pour cet album, vous avez retiré la dédicace. J'ai retiré la dédicace. Mais c'est pas grave. Hein. C'est des gens qui restent gravés dans mon cœur. Hein. Donc, c'est pour eux cette chanson. Voilà. Ouais. Mais je sens que ça ne transmet pas les mêmes émotions. Si. Si, au contraire. Hein. Parce que là, c'est pas trop. À la base, africain, la première version, c'était un peu mélancolique. Si, ça c'est plus mélancolique que l'autre. Pourquoi? Parce que il y a la première version de Africain que vous avez entendu avant, il y avait c'était 100% instruments modernes européens et tout. Ouais, ouais. Mais ici, j'ai fait parler des instruments du Congo, d'Afrique. Et les textes restent les mêmes. Je pense que l'essence même de la chanson change au vu de l'actualité musicale, de l'actualité de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je pense que c'est plus révisité à la nouvelle version du moment. Voilà. Voilà. Dans cet album, il y a de l'afro, il y a de la musique traditionnelle, africaine. Oui. Il y a un peu de hip-hop. Hip-hop, R&B. Oui. Et puis, vous mélangez plusieurs langues. Ouais. Swahili, anglais, français. Swahili, anglais, français, lingala. Lingala. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez décrire cet album dans deux mots, vous, personnellement? En deux mots? Ouais. C'est un vrai cocktail. Voilà. Vrai cocktail. La flamme de Magic Pinocchio disponible, les amis, allez streamer au maximum cet album. C'est comeback, si on peut dire comme ça, de Magic Pinocchio. Oui. Il revient avec un album. Déjà, quelles sont les stratégies déjà que vous allez utiliser pour nous faire découvrir tous ces morceaux? C'est vrai, il y a des très beaux morceaux. Oui. Est-ce que vous allez commencer à sortir clip par clip? Ou ça va se passer comment? Oui, hein. Oui. C'est vrai, c'est quelque chose sur laquelle on pense déjà avec toute l'équipe derrière. Il y a déjà le premier clip qui va sortir d'ici moins de deux mois, qui va vous faire découvrir Calculeta, qui a un bon feedback, parce que c'est sur base de ça aussi qu'on doit aller, sur base des demandes des gens, etc. Et au fur et à mesure, on vous mettra au courant, et puis on vous transmettra tout ce que nous avons à cœur de faire. Pour essayer de faire découvrir des morceaux à ces grands publics. Mais avant les autres grands clips aussi qui vont venir, à part Calculeta que je viens de citer, il y a déjà j'aurai la chance de vous présenter cet album en exclusivité au Festival Amani, parce que je suis invité au Festival Amani 2024 pour la 10e édition, qui tombe bien. Qui tombe bien sur 10 ans de mes carrières. Vous avez commencé avec le festival? J'ai commencé au même moment que le festival à Mani, 10 ans de mes carrières, et Africain qui a 10 morceaux. Donc j'aurai à cœur de vous donner le meilleur de moi pour ce festival. Et ça sera le premier live de la flamme. Oui, ça sera le premier live de la flamme sur le podium, le grand podium du festival à Mani. Donc ça, c'est juste. Pour un premier trimestre, ce que je prévois. Et puis le deuxième trimestre, on vous donnera encore. On espère qu'on sera encore reçu ici. Voilà, bien sûr, c'est la maison. Voilà, pour parler de ça. Voilà. Sinon, Magic, merci beaucoup. Nous rappelons encore que l'album est disponible sur Deezer, sur Spotify. Sur Spotify, sur Tidal, sur Tidal. Sur Boomplay également. Boomplay. Oui, aussi l'album est disponible. Et l'album est sorti sur quelle plateforme, vous aviez sur dit? PlayMB. PlayMB. Oui, PlayMB. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store pour les gens qui ont Android, et pour App Store pour les gens qui ont iPhone. Voilà. Donc, et c'est à $5 l'album.
25 dollars, oui. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Magic. Et merci à toi. Suivez Calva. Magic partout sur les réseaux pour avoir une idée encore une fois sur ses actualités, ouais. Ou carrément tout ce qui va se passer, parce qu'il y a déjà, il y a beaucoup plus de surprises pour cette année 2024. Ça va être chaud. Sinon, on consomme au maximum la flamme. L'année va être très mouvementée. Merci à vous. Merci, Magic. God bless.